Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous ce matin. Nous disons bon Dieu merci de ce que nous avons l'opportunité dans une occasion spéciale matin pour nous adorer bon Dieu qui est vivant et qui est vrai. Nous voulons saluer tous frères avec sœurs nous dans la première église baptiste haïtienne de Jacksonville et nos frères et sœurs qui ont écouté un peu partout au Canada ce matin. Martinique, Suriname, la France, Haïti, nous, Équateur, nous voulons saluer matin parce que c'est occasion d'or pour nous entendre le message de la parole de Dieu. Nous va considérer matin Genèse 41, verset 15 et verset 16. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph dit à Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon, parole du Seigneur. Joseph l'y trouvait en Égypte, dans un pays de compromis, un pays de convoitise, un pays de confinement, un pays côté esclavage était normal, un pays d'idolâtrie, un pays côté étranger pas progressé facilement, un pays de peine et d'affliction. Comment Joseph fait quimber espérance lui en Égypte et quel a été le fondement de l'espérance de Joseph en Égypte. Maintenant, c'est ça, nous voulons élaborer sous lui. Quel a été le fondement de l'espérance de Joseph en Égypte? La réponse est simple. Dieu. Dieu était le fondement de l'espérance de Joseph en Égypte. Confiné dans le système esclavagiste, confiné dans la maison de Potiphar et dans la prison pendant 13 longues années, Dieu était le fondement de l'espérance de Joseph en Égypte. Maintenant, ou pas confiné en Égypte, mais ou confiné à cause du coronavirus. Question m'a posé. Qui fondement espérance lorsque à travers le monde gagne pile panique ou maladie pas gagne traitement pour lui chaque jour en pile mon a contaminé chaque jour en pile mon a mouri qui sa fondement espérance ou espérance moi dans mi temps confinement ça Joseph pour lui même c'est bon Dieu qui t'a espérance. En un mot, théologie Joseph t'est correcte. Conception de bon Dieu t'est correcte. Il t'a cru dans Dieu qui fait ciel la terre. Et là, il était dans une situation qui était extrêmement difficile. Espérance n'est pas ébranlée parce que fondement espérance là. C'était bon Dieu. Et ça, c'est prière pour vous matin. Pour pas compter sous gouvernement, pour pas compter sous amis, pour espérance ou fonder sous bon Dieu et bon Dieu seulement. Et c'est ça que fait Joseph T. capable de briter Dieu, même dans le confinement en Égypte. Parce que fondement espérance li c'était bon Dieu et m'ta souhaité matin fondement espérance ou dans confinement c'est pas l'autre bagaille c'est pas l'autre monde c'est bon Dieu nous capable comprendre lorsque Pharaon a parlé avec Joseph pour dire Joseph j'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer.
J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. En présence de Pharaon, le roi de l'Égypte, le souverain de l'Égypte, c'est comme si une occasion d'or pour Joseph, fraîchement sorti de la prison. Et chanson ont déjà dit Pharaon, Joseph c'est quelque chose. C'est vrai, ils sont esclaves hébreux, mais ils ont aptitude, ils ont une capacité pour l'expliquer songe. Certainement, ils ont expliqué songe. Le pharaon, ouais, Joseph, il pas dit Joseph, m'apprendre que, ou qu'a expliqué un songe après autant d'elle. Une occasion d'or pour Joseph t'a fait paraître quelque chose devant Pharaon. Mais Joseph, quand le fait Pharaon comprendre, ce n'est pas moi. En un mot, je pas rien. En un mot, je pas connu rien. En un mot, je pas qu'à faire rien. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Donc, Joseph, fondement espérant si c'était Dieu, il est arrivé devant Pharaon, il pral effacer tête li pour lever bon Dieu la bien haut. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Quelle humilité. Et ça fait nous comprendre côté espérant Joseph Teye. Dans le confinement, dans la prison, il était interprété songe pour Panetia à Échanson. Certainement, Échanson te comprendre. C'est Joseph qui est capable. Mais les Joseph en présence de Pharaon, il parle, dit, c'est pas moi. C'est bon Dieu m'l'a. C'est lui-même qui a une réponse à Pharaon. Je dis, nous n'avons crise. Personne n'a pas une réponse sur la terre. Il y a une recherche qui a fait, mais pas une bonne solution. Mais la réponse favorable à cette pandémie, bon Dieu gagne. Dans la crise, Pharaon t'est trouvé là. Les magiciens de l'Égypte, ils étaient incapables pour expliquer son jeu. Les sages de l'Égypte, ils n'étaient pas capables. Mais Joseph te dit Pharaon, bon Dieu, il y a une réponse favorable à Pharaon. Je voulais dire nous-mêmes qu'à coûter matin. Bon Dieu, Kaba yon réponse favorable à pandémie. Ça doit sujet espérance. Politiciens, yon pas bonne information correcte. Parce que c'est politicien. Yon pas dou j'en barre la grave vraie. Parce que c'est politicien. Yon pas dou pas ka fait rien vrai. Parce que c'est politicien. Mais Joseph te reconnaît. Les magiciens de l'Égypte ont des limites. Les sages de l'Égypte ont des limites. Pharaon a des limites. Mais bon Dieu qui fait ciel la terre, il n'y a pas de limites. Bon Dieu, il y a une réponse favorable à Pharaon. Nous avons une réponse à la pandémie. Certainement, ce n'est pas l'homme qui a baillé. C'est bon Dieu qui a baillé. Et nous devons espérer dans mon Dieu. Pour nous connaître que, bon Dieu, les hommes pas qu'à faire rien. Les hommes coincés. Les hommes dans le confinement.
bon Dieu qui a eu une réponse favorable. Pharaon te comprendre, c'était Joseph. Joseph dit Pharaon, ce n'est pas moi. Et maintenant, si je veux conseiller un bagage, pas qui de monde prend pour son paye. C'est pour honnête avec monde. Pour dire moun yo, c'est pas moi. C'est bon Dieu. L'important. C'est ça Joseph fait. Pharaon t'a levé Joseph. Et chanson ont levé Joseph bien haut. Mais les Joseph en présence Pharaon. Il dit c'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph baisse le bien bas pour lever mon Dieu. Ça fait une pensée à Ticantique ça qui dit Seigneur, pas quitter monter tête moi. Seigneur, pas quitter me penser me piro. Fais pitié. Pitié. Tout pitié devant. Parce que moun qui monte ou abaissel, mais moun qui baissel ou a level. Joseph, il te baissel bien bas. C'est pas moi. C'est bon Dieu. Qu'a baille Pharaon une réponse favorable. Le monde besoin de réponse par rapport à virus là. Il y a un pile effort qu'a fait. C'est triste pour nous dire ça. Il y a un professeur dans Pennsylvania, un professeur université, qui a cherché une réponse favorable. T'a travaillé sur un vaccin ou un médicament qui a aidé avec virus là. Quelques jours de cela. Li suicide tête li. Il mettait fin à ville parce que le pas de cabaye une réponse favorable peut-être. Mais notre Dieu, li gon réponse favorable. C'est ça Joseph te dit. Et c'est ça tes sujets espérant Joseph. C'est ça tes fondements espérant Joseph en Égypte. Parce qu'il connaît bon Dieu cabaye une réponse favorable. Certainement elle était dans l'esclavage. L'idée qu'on est bon Dieu qui a baillé une réponse favorable. L'elle était en prison. L'idée qu'on est bon Dieu qui a baillé une réponse favorable. L'elle était en confinement dans le système esclavagiste là. L'idée qu'on est bon Dieu qui a baillé une réponse favorable. L'elle devant Pharaon. L'idée dit Pharaon, bon Dieu qui a baillé une réponse favorable. Peut-être des monde qui découragé. Des monde qui paniqué. Parce que, bon maladie. Pas de remède. Docteur pas qu'à faire rien. La science médicale pas qu'à faire rien. Mais le ciel qu'a fait quelque chose. Bon Dieu qu'a baille. Une réponse favorable à pandémie. Ça doit être fondement espérance, moi. Ça doit être fondement espérance. En Égypte, fondement espérant Joseph. C'était Dieu. Parce qu'elle te connaît. Bon Dieu kabaye, une réponse favorable. Bon Dieu pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il kabaye une réponse. Je dis, est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit ça? Ou besoin croit ça? Parce que c'est seul bon Dieu. Oui, c'est seul bon Dieu qui kabaye une réponse favorable à la pandémie. Bon Dieu, ça, il était fondement espérant Joseph. Est-ce que c'est fondement espérant ça dans le confinement? Deuxième bagaille, Joseph te connaît le bon Dieu, ça. Il te connaît bon Dieu, ça. Futur, c'est dans le lié. Numéro un, il dit Pharaon, bon Dieu, tu as une réponse qui est favorable. À où? Oui, bon Dieu capable. Magicien n'est pas capable. Sage n'est pas capable. Moi-même, Joseph n'est pas capable. Mais bon Dieu capable. Deuxième bagaille. Il dit Pharaon. Bon Dieu, qu'elle a servi. Hein? Fit-il se nommer bon Dieu lié. Dans Genèse 41, verset 25 et 28. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. C'est ça Joseph dit. Donc, l'ensemble, c'est un avertissement Pharaon.
Bon Dieu qui est futur là dans même. Li fort qu'on est qui ça le prend le fait. Le futur, li pas nommé politicien. Li pas nommé les hommes de science. Li pas nommé les intellectuels. Li pas nommé les savants. Li nommé bon Dieu. C'est ça Joseph dit Pharaon. Futur, li nommé bon Dieu. Et bon Dieu ça a que futur a nommé là. Li fort qu'on est qui ça le prend le fait. Donc c'est bon Dieu qui a agi. C'est bon Dieu qui est en action. C'est bon Dieu qui a parlé à Pharaon. Donc c'est un avertissement. Bon Dieu dit mais ça va le faire. Espérance Joseph. Fondation Espérance Joseph en Égypte. C'était Dieu. Il dit bon Dieu fort connaît ça va le faire. Et m'ta souhaité au connaît futur non mais bon Dieu. Pas inquiète pour futur. Pas inquiète pour demain. Papa qui dans ciel là. Papa qui est mon pile là. À tel point de ba Jésus-Christ comme un sacrifice pour futur nan même. Futur famille nan même. Elle connaît bien tout ça la fait. C'est ça le dit Pharaon. Bon Dieu faut qu'on ait ça qu'à privé. Parce que le futur bon Dieu qu'on elle. Pour bon Dieu, futur à cette coup présent lié. Parce qu'elle connaît tout événement qui va venir. Elle connaît qui ça pour le faire là-dedans. Si l'homme te connaît, virus ça t'a venu, des préparations que t'as faites. Mais son surprise liée pour yo. Yo pas te préparer. Ça permet d'y en pile catastrophe. Mais notre Dieu, il connaît le futur. Et Joseph dit Pharaon, bon Dieu faut connaître. Qui s'apprête à arriver. Comme avec ce moyen. Fitume. Fiture. Fitu petit moi. Fitu petit tout. Petit tout. Non mais mon Dieu. Eh bien, pas besoin d'inquiéter. Même lorsque il y a une pandémie. Même lorsque l'immortel. Gon fitur. Pour moi avec vous. Et ce nom est mon Dieu lié. Troisième bagaille. Joseph dit Pharaon, bon Dieu a exécuté sa décidé, les desseins de Dieu, les plans de Dieu, l'a exécuté. C'est pas un bon Dieu qui parlait et puis qui met parole là dans le tiroir. C'est pas un bon Dieu qui voulait faire un bagaille ou monde qui a empêché le faire. Joseph dit Pharaon, dans Genèse 41, verset 32, si Pharaon vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc la décision a été prise par Dieu. Et bon Dieu a exécuté rapidement, vitement, ça le décider. Parce que ça le voulait faire. Personne ne va faire le pas faire. Donc c'est bon Dieu qui a une réponse favorable. C'est bon Dieu qui a une future dans même. C'est bon Dieu projet lio, dessin lio, plan lio. L'a exécuté quand même. Que l'homme voulait, que l'homme pas voulait, l'a exécuté quand même. Parce qu'il a une autorité, il a un pouvoir. Pour le faire, ça le dit la fait. Il dit tout ça le voulait faire. Li ka fait. Dans ciel là, sous terre et même en bas la terre. Tout ça mon Dieu fait. Voulait faire. Li ka fait. Joseph dit Pharaon, bon Dieu espérance moyen. L'a exécuté tout ça li dit la fait. Dans Isaïe 55 verset 11. Nous lis parole ça. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mon dessein. Le bon Dieu parlait,
l'on parole saute dans bouche bon Dieu. Ça bon Dieu vle parole la faire, la fait quand même. Le bon Dieu te dit c'est pour gagner lumière, lumière te paraît. Parce que ça il dit la fait quand même. Joseph dit Pharaon. Bon Dieu, ça il dit la faire, la fait quand même. Parce que c'est qu'on s'allier. Depuis le palais, l'éternité envahit. Ça le dit la fait à gauche lui, mais le cas accompli et mais toujours accompli. Après toute conversation, Joseph avec Pharaon, Joseph toujours parlait de Dieu là. Numéro un, il dit c'est bon Dieu qui a une réponse favorable à Pharaon. Deuxièmement, il dit c'est bon Dieu qui fait Pharaon connaître sa cas privé. Troisièmement, il dit bon Dieu exécute tout ça, il dit. La fait parce que fondement, espérance, Joseph en Égypte, c'était le bon Dieu. L'autre bagage, Joseph, te comprendre. Bon Dieu, par là, c'est fil conducteur de tout événement qui arrivait dans la ville. Joseph, te comprendre, pas rien qui isolé dans la ville. Tout ça arrivé. Frère, il était venu. Madame Nitio Vanni à Potiphar, il pral tomber dans prison, il comprend pas rien qui t'est fait sans la volonté de Dieu. Bon Dieu était dans ça qu'a fait yo parce que bon Dieu était un plan pour la vie de Joseph. Comment est bon Dieu dans confinement? Comment est bon Dieu dans le confinement? Est-ce qu'on est il absent ou bien est-ce qu'on est il est présent? Il est actif. Et le fait que Dieu est présent, le fait que Dieu est actif, ça c'est fondement espérance point. C'est comme ça Joseph te comprend. Il va dire à frère Lio, dans Genèse 41 verset 5. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Dans toute facette de la vie, Joseph, c'est Dieu. It is all about God. It is all about God. Il ne pas blâmer personne. Il ne pas blâmer frère Lio. Il ne pas blâmer personne. Mais il connaît ce qui a passé dans la ville. Bon Dieu là-dedans. Ça, c'était espérance. Li. Ça, c'était fondement espérance. Li. Comment est bon Dieu aujourd'hui? Parce que gon maladie. Comment est bon Dieu aujourd'hui? Parce que gon confinement. Joseph Terwal comme fondement espérance. Dans Genèse 45 verset 8 là. Côté nous saute là. Joseph te réalisé plusieurs bagages. Premier bagage il dit ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici mais c'est Dieu. Joseph peut comprendre. Son arrivée en Égypte, la main de Dieu de là-dedans. C'est ça le comprendre. C'est ça le dit frère Lio. La main de Dieu était dans l'événement. Et ça fait pendant 13 ans de confinement. Fondement espérance, moi c'est bon Dieu. Parce que je connais bon Dieu avec moi. Bon Dieu dans l'événement. Yo. Bon Dieu a guidé ça qui a passé. Yo. Bon Dieu a un côté sorti avec moi. Bon Dieu a un côté le prendre avec moi. Par conséquent, ce n'est pas nous qui menons là, mais c'est bon Dieu. Nous avons aimé bon Dieu dans la vie. Nous avons aimé bon Dieu dans ce qui a passé dans le monde là. Parce qu'il est le Dieu souverain. Il connaît bien tout ça la fait. Joseph te comprend ça. C'est ça Joseph te dit. Et Joseph t'a pas comprendre que s'il élevait en dignité en Égypte, c'est pas Pharaon qui élevé la dignité, mais c'est Dieu. Il dit, Dieu m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Donc c'est pas Pharaon qui élevé ma dignité. Son étranger m'y est. Son ancien esclave m'y est. Si m'a élevé en dignité en Égypte, c'est mon Dieu qui fait. Bah, mon Dieu crédit dans des frères. Bye mon Dieu crédit, Samuel.
Certainement, bon Dieu a fait des choses extraordinaires dans la vie, nous. Même dans le confinement. Bye, bon Dieu, crédit. Même Jacques Joseph. Me lever en dignité en Égypte, c'est vrai. Mais c'est bon Dieu qui fait. Bon Dieu, Joseph, ouais, bon Dieu. Dans tout petit détail dans la ville. Il ouais, bon Dieu. Là, il était à Potiphar. Il ouais, dans la prison. Et là, face à face, ouais, Égypte, là, Pharaon. Il ouais, bon Dieu. Il dit Pharaon, c'est pas Joseph, non. C'est bon Dieu qui a bonne réponse. Il dit Pharaon, bon Dieu a des futurs dans même. Il dit Pharaon, tout ça, bon Dieu a décidé, la fête. La fête quand même. Et puis le prince dit frère, yo. C'est pas nous qui menons en Égypte. C'est bon Dieu qui menons là. Parce que bon Dieu a un plan pour la vie. Bon Dieu a un plan pour le peuple égyptien. Bon Dieu a un plan pour le peuple hébreu. Et ce n'est pas moi-même qui voulais passer. Et ça, c'est des fondements. Espérons Joseph. Dieu m'a établi père de Pharaon. Dieu m'a établi maître de toute la maison d'Égypte. Dieu m'a établi gouverneur d'Égypte. It is all about God. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu avec Joseph. Parce que c'est ça que tes fondements espérance. Qu'est-ce que c'est fondement espérance sur ma terre? Dans ce c'est mon Dieu. Nous souhaiter c'est Jésus-Christ. Parce que le Christ dans la vie, ou vivre avec espérance. Colossiens 1er verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on a Christ avant ma terre? Est-ce qu'on a un bon Dieu avant le confinement matin? Si vous avez un bon Dieu, vous avez un bon Dieu. Et soit tant de matin, ou dans le confinement pour compte. Bon Dieu, pas, ou pas senti la veille, parce qu'on parle de Jésus-Christ. Comme Seigneur sauve la vie. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Vous avez accepté Christ matin. Laisse ça. Vous avez un bon Dieu dans le confinement. Vous avez Christ avant le confinement. Et puis vous avez traversé à l'autre bord. Parce que Christ avec vous. Et le pape Jean quitte. C'est ça, Joseph te comprend. Et le Joseph a parlé avec papa. Dans Genèse 48, verset 9a. Il dit, ce sont des fils que Dieu m'a donné ici. Tout bagage, c'était bon Dieu. Il dit, c'est petit que bon Dieu ben moi. Joseph était un bon Dieu dans toute facette dans la ville, dans tout détail dans la ville en Égypte. Comment est bon Dieu dans le confinement? Comment est bon Dieu dans le confinement? Est-ce qu'il avait? Est-ce qu'on sentit l'avoir? Est-ce qu'on connaît l'avoir? Est-ce qu'on gagne l'avoir? Si tu as des gens qui murmurent à cause du confinement, est-ce qu'on va murmurer avec elle? Ou bien on va dire, tant que Joseph te dit Pharaon, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à ce confinement. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à cette pandémie. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à ce virus. Donc c'est comme ça que Joseph te comprend. Joseph te voit Dieu dans tout détail. Il te voit Dieu dans le passé. Il voit Dieu dans son présent. Et il voit bon Dieu dans le futur. Dans Genèse 50, verset 24 et 25. La parole à Frélio, il dit Frélio. Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays. Dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Lui, bon Dieu, dans le futur. Il dit, frère Lyon, nous pas prêts en Égypte pour tout le temps, non? Bon Dieu a retiré nous en Égypte. Et je tellement crois que bon Dieu a retiré nous en Égypte. Moi, je vais mourir. Nous pas même besoin d'enterrer les mourir. Parce que les bon Dieu a retiré dans l'Égypte. Moi voulais dans cortège là. Moi voulais dans délégation. Même lorsque ces hommes forment dans délégation parce que le terre est bon Dieu comme maître du futur. Certainement gagnant nous paniquer. Écoutez-moi, l'or est bon Dieu dans la vie passée. L'or est bon Dieu quand on y est aujourd'hui.
Ouais, bon Dieu, dans le jour qui vient, dans l'année qui vient. Et ça a fondement espérance. Dame, je pose une question ce matin. Quel est le fondement de votre espérance ce matin? Si la réponse est Dieu, je dis bravo. Mais si la réponse est travail, c'est famille, c'est amis, c'est gouverneur, c'est président, je dis qu'on s'en a déçu facilement. Joseph, pas de jambes déçu. Parce que le fondement de son espérance était Dieu. Et c'est ça qui te fait Pharaon qu'on est. C'est ça qui te fait frère qu'on est. Et prions bon matin. C'est pour fondement espérance, c'est Christ. On t'a chanté, en Christ, c'est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'appuie. Quelle est votre espérance ce matin? En ce moment de confinement, en ce temps de pandémie, quelle est votre espérance? Donc, si vous n'avez pas Jésus dans la vie, certainement, nous avons dit sans Dieu, sans espérance. Ou gen raison pour inquiéter. Ou gen raison pour paniquer. Mais si, bon Dieu qui fait ciel là. Bon Dieu qui te fondement espérance Joseph là. Bon Dieu qui se fondement espérance moi. Bon Dieu qui se fondement espérance les frères et sœurs de la première église baptiste et haïtienne de Jacksonville. Bon Dieu qui se fondement espérance en pile bon captain de matin sur YouTube. Si c'est fondement espérance, ou à traverser confinement, ou à traverser pandémie, parce que bon Dieu pour là, là-bas il y a une réponse qui est favorable à cette Christ. Comptez sur bon Dieu. Comptez sur Dieu dans ce confinement. Comptez sur lui dans la pandémie. Quel est ce fondement espérance? Tant que Joseph. Et Joseph t'a pris à lever en dignité. Parce que le fondement de son espérance était Dieu. Bon Dieu va faire gros bagages dans la vie ou dans la vie famille. Ou, si le fondement de votre espérance en cette crise, s'il est bon Dieu, que bon Dieu qui fait ciel la terre, que bon Dieu Joseph là, bon Dieu qui te fondement espérance Joseph là, quel est ce fondement espérance dans la crise ça? Et bonjour, on va dire, tant que Joseph. Ce n'est pas moi, non? Mais c'est bon Dieu qui a une réponse favorable. C'est bon Dieu qui a fait une mamelle. Et c'est bon Dieu tout qui a traversé mon confinement, qui va lever ma dignité, qui va mettre mon côté de ma espérer, qui va faire de moi ça me pas espérer. Et après, ça me va dire, it is all about God. Il s'agit de Dieu. Oui, il s'agit de Dieu. Les dieux de mon espérance, les dieux de votre espérance, que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez toujours en espérance et qu'il soit le fondement de votre espérance en cette crise. Amen. Que Dieu vous bénisse.